Ok. Alors, la position de conduite, c'est complètement différent de... C'est complètement différent de la KTM que j'avais testé. C'est quand même un peu plus droit. Alors par contre, c'est une carte. Faut vachement... Faut bien passer le pied en dessous. C'est pas trop l'habitude. Ok. Il y a des qui par contre. Ah, ok, il y a un petit truc là. Hein. Parfait. Ok. Ok, ça voit quand même bien aussi. Hein. Putain. Bon, par contre, faut. Les rapports sont beaucoup plus longs. Ah, par contre, quand tu ouvres la poignée et que ça monte à 6000 là, putain, ça. Ça voit. Hein. Putain, la vache. Beau petit jouet quand même. Bon, c'est une moto quand même vachement imposante. Hein. Ça, c'est quand même assez cool. Ok, sympa. What it really means to live life golden. Sweetheart, are we offending you? Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. Calpi arrière, d'accord. Ok, je touche le calpi arrière. Bon, tu vas me dire, ça cale le pied. Hein. Et de l'autre côté, ouais. De l'autre côté, c'est bon. Mais en fait, de l'autre côté, il y a ce petit truc là qui accroche le pot. Et c'est pour ça que je touche ça. D'accord, ok. Ok. Oh, par contre, elle chauffe de ouf. Oh,
Elle a 98 degrés là, c'est marqué. Donc il y a plusieurs modes, hein. L'heure, les trips et tout ça, kilomètre heure, rapport engagé. Il y a les warnings, ok. Klaxon, ouais, ok, les classiques. On peut régler l'écartement. Ok. La poignée des gaz là et que ça monte au dessus là de 6000 là quand ça arrive là, pouah, t'as un coup de pied, ça t'as, en arrière, t'as vraiment le coup de fou. Bon après en ville hein, c'est très agréable à rouler, franchement c'est tranquille et tout, ça vibre pas du tout, c'est calme. Relativement agile, ça va. On est à 50 là. 50, 3000 tours minute. Je frotte à chaque fois la scène arrière. Ok. Ouais, ça va, un peu c'est ça.